emotional would be on the program. We are looking at passionate football lovers in Cameroon in the 60s and the early 70s. People who gave their all, they made the sacrifices for football to go one step ahead. We look at Nana Petit-Jean, a trader in the central market in Yaoundé. Nana Petit-Jean gave his all to motivate teams in Cameroon, to motivate football actors in Cameroon, so that they could take football to a higher pedestal. Take note, he's the one who even started with the award Best Footballer of the Year. Nana Petit-Jean. Mon cher, vous savez, on est né avec cette passion. Je suis né avec cette passion, c'est-à-dire tu vois partout l'équipe nationale, junior, senior, amateur, toutes les équipes confondues, que ce soit les équipes professionnelles de l'Europe, que ce soit les équipes professionnelles de d'autres bouts du monde. Nana est né avec cette passion dans sa vie. Et Nana lui-même, il a joué au football? Oui, dans mon temps d'enfance, j'étais à l'école primaire. Et j'étais comme gardien de but à cette époque. À cette époque, alors j'ai eu un choc, j'ai abandonné de jouer encore au football. Quand vous avez commencé de supporter les équipes civiles, tu as commencé avec quelle équipe? À l'équipe civile, j'étais avec l'équipe militaire, hein, les forces armées, puisque j'étais au quartier général plus de 10 ans, avec le général Assou, le général Meka, que ce soit civil, que ce soit militaire. Ensuite, j'étais en première division du Cameroun, deuxième division du Cameroun. J'ai commencé à récompenser les meilleurs joueurs de cette époque. C'est moi qui avais commencé à primer les meilleurs arbitres de ce pays, les meilleures équipes, les 5 premières équipes de notre championnat de première division, et sans compter aussi les équipes de deuxième division. Then, François Baoubekene, the man who sacrificed all the little he had financially and put up a nursery which was known as Eclair Football Club of Douala. This nursery nurtured a bunch of top players in Cameroon. Roger Miller, Nkono Thomas, Bahunkem, Ekule Eugene, Beb Solo, Baswa, Chombang, just to name these. Even Bono Salomon, who was a popular defender for the national team. They all came from that stable of François Baoubekene. He was honored in 2018 at a Veterans Night in Douala. But because he was gone, his daughter Agathe represented him. Mila steered the affairs, and very emotionally too. For the release of this trophy, this award, and the reconnaissance, and it is the granddaughter of the late François Baoubekene, who's going to receive the award on behalf of our grandfather. Thank you.
Stanislaus Kramden, the man who added a lot of value to the Free Corps in Cameroon. He brought excitement, he brought seriousness, he brought evolution in to the referee's game. But take note, Kramden Stanislaus was the pioneer international referee from Cameroon. His debut in Sudan, 1970, during the African Nations Cup. Je sais pas si tu peux me donner un carton jaune. J'ai tellement pour la plus que j'étais ici des fois.
Thank you.